Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Alléluia. Le Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il rompe son silence. Devant lui est un feu dévorant. Il convoque le ciel et la terre. Il adresse à son peuple son jugement. Assemblez devant moi mes fidèles. Faites venir ceux qui se sont engagés envers moi. Les cieux proclament la justice. Le juge, c'est Dieu. Offre à Dieu la louange comme sacrifice. Accomplis tes promesses envers le Très-Haut. Appelle-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Qui offre la louange comme sacrifice me glorifie. Il prend le chemin où je lui ferai voir le salut de Dieu. Amen. Frères et sœurs, en ce avant-dernier dimanche de l'année de l'Église, l'Évangile nous confronte aujourd'hui à cette convocation du ciel et de la terre où Dieu adresse à son peuple son jugement. Avec un fameux récit de l'Évangile selon Matthieu, nous entendrons aujourd'hui d'abord cette invitation à nous faire proches des plus humbles, mais qui pose aussi la question de ce jour du jugement, cette heure du jugement. Serons-nous jugés selon les œuvres finalement ? Entrant dans ce temps de culte, en chantant ensemble le psaume 66, je salue toutes les personnes qui sont ici présentes et aussi tous ceux qui nous rejoignent à l'écran ou au téléphone. Pour ceux qui ont un écran devant les yeux, vous verrez afficher toutes les paroles de prière et de chant. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le livre. Chantons ensemble.
Ensemble, présentons-nous devant Dieu dans la louange en prenant le psaume 91, c'est à la page 305 et je vous invite à me rejoindre pour les strophes qui s'affichent à l'écran ou qui sont marquées d'un trait de couleur. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, et repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux. Tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Amen. Dieu trois fois saint, nous te louons, chantons à la page 345. Nous te louons, alléluia. Nous te chantons, nous t'adorons, alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, alléluia. Et loué soit le Saint-Esprit, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Souvenons-nous de cette parabole que l'évangile de Luc nous raconte. Parabole d'un homme qui donne le grand repas, invitant beaucoup de gens, mais à l'heure du repas, en envoyant ses serviteurs dire aux invités, « Venez !» Tout est prêt, tous se mirent à s'excuser, l'un pour avoir acheté un champ, l'autre 5 paires de bœufs et un autre encore qui venait de se marier. Alors le maître de la maison dit à son serviteur, « Va sur les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Souvenons-nous que lorsque Jésus parle du royaume, il utilise souvent cette image d'un banquet. Et nous, nous imaginons alors ce grand repas avec plein de nourriture, des lumières, de la musique et, bien sûr, nos amis. Mais voici que cette parabole, chers amis, se fait incisive. Les autres invités ne seront pas forcément nos amis. Mais ce seront les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Prions.
Seigneur, ton royaume est un banquet que nous partageons avec les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Il faudrait peut-être que nous commencions à nous y habituer. Ainsi, ce matin, nous voulons te remettre nos peurs et notre pauvreté. Nous ne pouvons aimer notre prochain car nous sommes trop pleins de nous-mêmes. Aie pitié de nous. Nous te remettons l'infirmité de notre foi. Nous craignons de partager avec notre prochain. Nous avons réduit ton évangile à nos propres idées, aux dimensions de notre égoïsme. Aie pitié de nous. Et nous te remettons notre aveuglement. Nous ne pouvons accueillir notre prochain enfermé dans nos timidités, avec le regard éteint. Aie pitié de nous. Tels que nous sommes, Seigneur, nous invoquons simplement ta richesse sur notre pauvreté, ta guérison sur nos infirmités, ta lumière sur notre cécité. Accorde-nous la paix, Seigneur. Amen. Accorde-nous la paix, Seigneur, en nous tant de misère, car aucun autre Dieu que toi ne pourrait nous défendre. Toi seul, Seigneur, seul tu es Dieu. Toi seul, Seigneur, seul tu es Dieu. Alléluia, guéris les hommes. Seigneur, oh, prends pitié. Alléluia, guéris les hommes. Seigneur, oh, prends pitié. Alléluia. Alléluia, Kyrie eleison, Seigneur, oh, prends pitié. Oui, dit Dieu, frères et sœurs, oui, mon royaume est bien pour les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Mais j'ai bien vu, dit Dieu, ta pauvreté, ton infirmité, ta faiblesse et l'hésitation de ta marche. Dans mon royaume, il y a une place pour toi. C'est ma grâce qui t'accueille. Dépose tes craintes. Oublie ta plainte. Relève-toi. Tu es fils, tu es fille de roi. Amen. Chantons notre reconnaissance. Je louerai l'Éternel de tout. Je louerai l'Éternel.
Nous venons de maisons, d'églises et de spiritualités différentes, mais nous célébrons ensemble le don unique de la grâce qui nous a été faite par le sacrement du baptême. Et en souvenir de notre baptême à chacun et à chacune, je verse un peu d'eau dans la cuve baptismale. L'eau est un élément indispensable à notre existence. Au commencement, l'Esprit Saint planait sur les eaux. Quatre fleuves sortaient du paradis pour féconder la terre. L'enfant se développe dans les eaux maternelles. La terre et les continents naissent dans le bouillonnement des eaux originelles. Le peuple esclave naît à la liberté en traversant la mer Rouge, et Naaman est lavé de sa lèpre dans les eaux du Jourdain. Nicodème est invité à renaître d'eau et d'esprit, et l'eau du puits de la Samaritaine devient source d'eau vive. Oui, cette eau nous rappelle que Dieu veut toujours à nouveau nous plonger dans l'océan de son amour et nous faire passer de la mort à la vie en plénitude, en communion avec lui et les uns avec les autres. Dans l'unité du baptême, nous appartenons à Dieu. Nous sommes unis les uns aux autres et solidaires les uns des autres. En ce avant-dernier dimanche de l'année de l'Église, nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au 25e chapitre. Merci à Marc-Antoine de nous donner lecture. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ?» Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, «
Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister? Alors il leur répondra : En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Il y avait dans une ville un cordonnier qui s'appelait Martin Avdieïtch. Il occupait dans un sous-sol une pièce éclairée d'une fenêtre. La fenêtre donnait sur la rue, en voyait passer les gens, et bien qu'il n'aperçût que leurs pieds, Martin les reconnaissait à leurs bottes. Vous le connaissez peut-être, c'est ainsi que commence un des contes les plus connus de Léon Tolstoï. Ce fabricant de chaussures, Martin Avdieïtch, pleure la mort de son unique enfant. Et un jour, en lisant l'Évangile, il entend la voix du Christ qui lui dit « Martin, regarde demain dans la rue, je viendrai te voir ». Le lendemain, Martin reste assis à la fenêtre toute la journée à attendre. Diverses personnes passent, un vieil homme épuisé par le déblaiement de la neige, puis une femme avec un petit enfant, tous deux morts de froid. Martin leur part, leur donne à manger et à boire. La troisième visite est celle d'une vieille femme qui se bat avec un garçon de rue pour une pomme volée. Martin leur parle encore et leur donne à manger et à boire. Mais il continue à attendre le Christ. Il est déçu qu'il ne soit venu quand, le soir, il ouvre son évangile. Et malgré cette déception, écrit Tolstoï, Martin Avdieïtch se sent la joie au cœur. Il fait le signe de la croix, met ses lunettes et lit l'évangile à la page qui s'ouvre. Et dans le haut de page, il lit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. » Et au bas de la page, « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Là où est l'amour, là est Dieu. Ce conte catéchétique de Léon Tolstoï, que je vous recommande, que je vous mettrai sur le site cet après-midi, qu'il a écrit en 1885, en copiant d'ailleurs tout bonnement un récit du pasteur français Ruben Sayans. Dans ce conte catéchétique, on trouve une parfaite illustration de l'interprétation universelle de cette vision apocalyptique par laquelle, dans l'Évangile, selon Matthieu, va s'ouvrir le récit de la passion du Christ. Cette interprétation universelle de ce texte se résume ainsi. Quand le Fils de l'homme reviendra, il jugera toutes les nations. Le jugement sera rendu en fonction des actes d'amour et de miséricorde envers les marginaux, les personnes qui souffrent dans le monde, les plus petits parmi les frères et sœurs de Jésus. Les frères et sœurs du Fils de l'homme sont tous des nécessiteux de la terre, qu'ils soient chrétiens ou non, selon cette lecture. Et avant ce jour de jugement, les gens ne savent pas qu'ils ont fait du bien au Christ lui-même et que les humbles frères du monde, dans ces humbles frères du monde, le juge lui-même
était en fait présent auprès d'eux. Dans cette interprétation, le texte a donc été compris comme un résumé de l'enseignement de l'ensemble de l'Évangile. Et il est d'ailleurs vrai que peu de textes bibliques exercent une aussi grande fascination. Il est alors considéré comme un texte de base pour un christianisme non dogmatique, un christianisme de l'acte pratique, où seul l'amour et l'acte concret seraient importants et non la confession de foi ou le discours religieux. L'amour de Dieu, l'amour du Christ, est incarné et traduit par l'amour du prochain. Voici cette interprétation universelle. Et du coup, il n'est pas surprenant que ce texte soit alors devenu la référence de la diaconie à toutes les époques de l'histoire de l'Église. Le seul mot des plus petits qui sont frères du Christ était devenu plus instructif pour la solidarité avec les démunis que tous les systèmes de règles d'égalité et de fraternité, avant même d'ailleurs qu'ils soient inventés. Dans toutes les églises de l'histoire du christianisme, Matthieu 25 est cité lorsqu'il s'agit d'encourager l'entraide, de lui donner un fondement en Christ. Le Christ devient homme sous le visage du pauvre et c'est là que son incarnation se poursuit. Cette vision semble exprimer de manière exemplaire que le bien, que l'amour ne peuvent être faits que pour eux-mêmes, sans arrière-pensée et sans attendre de mérite surtout. Les bénis de mon Père dont parle Jésus, qui reçoivent en partage le royaume qui a été préparé pour eux depuis la fondation du monde, eh bien, ils ne savent pas qu'ils ont montré leur amour au Christ. Leur attitude est justement caractérisée par le fait qu'ils ne pensent aucunement à la récompense. Vous le savez, lorsque la récompense devient le moteur de l'action, alors l'acte se vide de son essence. Blaise Pascal résumait cela parfaitement en disant « Les élus ignorent leur vertu et les réprouvés la grandeur de leur crime. » Or, chers amis, cette lecture universaliste a aussi ses limites. Depuis la Shoah, par exemple, ce texte a été relu dans le contexte des relations judéo-chrétiennes, on dirait. Il est en effet possible de comprendre que ces frères dont parle Jésus désignent les pauvres d'Israël, les frères et sœurs de Jésus seraient donc les Juifs. Matthieu 25 devient alors la déclaration de faillite de ce christianisme qui était complice d'Auschwitz. L'écrivain Günther van Norden raconte ainsi une histoire saisissante qui a été publiée par un journal dans l'Allemagne hitlérienne en 1933, après la décision fatidique des autorités protestantes d'appliquer la doctrine raciste des nazis au sein des églises. Par la mise en œuvre de ce qu'on a appelé le paragraphe arien, des chrétiens prétendus d'origine juive étaient excommuniés et abandonnés à la persécution. Cette histoire raconte qu'un pasteur nazi en Silésie, invoquant le paragraphe arien, appelle à trois reprises les juifs de sa paroisse, ceux qu'il appelle les juifs, à quitter l'Église. L'assemblée est figée à cet appel. Mais en se retournant, le pasteur voit que quelque chose bouge. C'est la croix sur l'autel. Le crucifié descend de la croix et quitte l'église en déclarant que ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Mais ce texte peut encore prendre d'autres significations. Une signification fondamentale peut-être dans cette société post-chrétienne et athée dans laquelle nous vivons. Ce texte est l'exemple biblique le plus impressionnant, en fait, d'une transformation de Dieu, d'un Dieu qui entre dans l'histoire et qui se laisse rencontrer dans ce monde. Il invite donc non pas à une nouvelle conception de Dieu, mais à une nouvelle rencontre avec Dieu. Et à ce titre, il peut aider les personnes qui se considèrent comme non-croyantes, pour qui le mot « Dieu » est devenu une fioriture vide de sens, à retrouver la réalité divine. C'est peut-être cette interprétation de Matthieu 25 qui est aujourd'hui la plus répandue et qui est presque de notoriété publique, dont le point central, je le dirais, est l'identification de ses plus petits frères avec toutes les personnes dans ce monde en besoin. Et pourtant, cette lecture, cette interprétation, elle est très récente. Elle n'a pris de l'importance qu'au début du XIXe siècle. Il y a une interprétation beaucoup plus classique de ce texte, qui considérait, au contraire, que les plus petits frères étaient en fait les membres de la communauté chrétienne. Cela a donné un enseignement que vous connaissez bien. Le critère au jugement dernier pour les chrétiens seront les œuvres de miséricorde qu'ils auront faites ou se sont abstenus de faire envers leurs frères et sœurs chrétiens, pauvres ou souffrants. L'ignorance des acteurs concernant le Christ n'avait pas sa place dans ce modèle d'interprétation. Elle a simplement été interprétée comme une sorte d'expression d'humilité des justes ou de l'intransigeance des injustes. Ce seraient donc, frères et sœurs, les œuvres qui seront décisives pour l'existence dans le jugement et non pas la foi seule ou seulement, dans un sens très spécifique, la relation avec le Christ. Effectivement, des passages antérieurs de l'Évangile selon Matthieu le soulignent également. Souvenez-vous que Matthieu parle souvent des fruits. Il insiste souvent sur le faire. Dans le jugement, ce n'est pas la qualité de l'arbre qui est décisive, mais ses fruits, dit-il. Non pas l'écoute des paroles, mais l'action. Non pas les lampes, mais l'huile. On y reviendra dimanche prochain. Non pas la réception des talents, mais le profit réalisé. Et inversement, Matthieu ne parle jamais de la foi en rapport avec le jugement. Appeler le Seigneur, lui demander son aide, c'est important pour lui dans la vie active. Mais un jour, lors du jugement, le simple fait de dire « Seigneur, Seigneur » n'aidera pas. Au contraire, pour Matthieu, la seule relation avec le Christ qui porte du fruit dans le jugement, c'est l'obéissance au commandement donné par le Maître. Cette théologie du jugement vient-elle donc détruire la proclamation de la grâce? Jésus, à la fin de l'Évangile, semble être un juge implacablement neutre qui envoie ceux à sa droite vers la joie éternelle et ceux à sa gauche vers d'éternels pleurs et grincements de dents, vers une incertitude du salut, du coup, à laquelle seuls les hommes peuvent réagir en essayant de se mettre du bon côté par leurs propres bonnes œuvres. Vous voyez, chers amis, il y a une clé de lecture qui nous permet de comprendre cette vision apocalyptique. C'est l'articulation, selon Matthieu, de la vie chrétienne et de la volonté de Dieu. Le juif chrétien qu'était Matthieu,
il ne connaît pas la différence chrétienne entre la loi et l'évangile, que notamment la réforme protestante a redécouverte à la suite de l'interprétation de l'apôtre Paul. La loi accomplie par Jésus, elle n'est pas infaillible pour Matthieu. Elle n'est pas un moyen, une norme pour la connaissance du péché inévitable, mais une volonté du Père que l'on peut réellement suivre, accomplir dans la vie avec le Dieu d'amour. Cette loi, volonté du Père, est donc pour Matthieu une orientation utile, illustrée d'ailleurs par la vie de Jésus et pratiquée dans l'Église, avec laquelle le Christ veut être et rester jusqu'à la fin du monde, dit-il. C'est lui qui aide en fait les disciples sur ce chemin qui mène par la porte étroite au royaume. Cette conception propre à Matthieu de la volonté du Père, elle correspond structurellement à la Torah d'Israël, même si certains aspects de la loi apparaissent chez Matthieu sous un jour nouveau. Il est donc clair que Matthieu n'a pas eu à suivre cette voie de réappropriation de l'apôtre Paul qui consiste à faire échouer la loi, la Torah, à se tourner vers quelque chose de complètement nouveau. Pour Matthieu, le jugement selon les œuvres est une bonne nouvelle. Elle ne signifie pas quelque chose de terrible, à savoir se mesurer à une norme par rapport à laquelle les hommes doivent finalement et forcément échouer. Pour Matthieu, le jugement porte plutôt sur la question de savoir comment les disciples de Jésus ont traité l'instruction utile du Père sur leur chemin, sur lequel Jésus les avait précédés et surtout sur lequel il les a accompagnés. C'est donc cette question qui leur sera posée au jugement dernier par leur frère, le Christ, frère qu'ils connaissent et dont ils savent qu'ils les aiment. Par cette question, ils seront pris au sérieux, par et en tant que frère, par un frère et en tant que frère, non seulement en tant que personne dans laquelle, en fait, il n'y a rien du tout sauf un peu de grâce. Ils seront pris au sérieux dans leurs actes et aussi en tant que communauté qu'ils auront ainsi formée, une communauté agissante par la grâce, mais pour le bien. Amen. Thank you.
Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu nous rassembles dans la communion de ton Église et tu nous fais vivre de ton amour. Pour que ta paix rayonne au milieu de nous, pour que ton amour libère nos vies, pour que nous persévérions dans la confiance, mets en nos cœurs le désir de ton royaume. Pour l'Église, que l'Esprit Saint la garde accueillante. Pour les responsables des peuples, qu'ils aient la volonté de promouvoir la justice et la solidarité. Pour les malades, qu'ils rencontrent quelqu'un qui fasse route avec eux. Pour celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et qui prient pour nous. Pour notre pays, notre ville, afin que les chrétiens y soient témoins d'espérance, artisans d'unité, d'amour et de paix. Et dans le silence, nous te confions ce qui nous tient à cœur. Dieu notre Père, toi qui nous offres ton amour, béni es-tu pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, vous trouvez la liturgie de la Sainte Cène à la page 351. Jésus-Christ est bienvenu pour servir et non pas pour être servi. Nous pouvons reconnaître sa présence en acceptant de nous laisser servir par lui, nous, les pauvres, les aveugles, les infirmes. Il nous donne ainsi la liberté, il nous donne la confiance et le courage pour être comme pour agir. Jésus-Christ nous libère ainsi de notre désir d'exister par nous-mêmes, par nos œuvres, en fonction des autres. Avec lui, nous n'avons pas à chercher l'assurance de notre valeur. Grâce à sa présence, nous ne sommes plus le centre de nous-mêmes, car il donne à notre vie une dignité, une identité que nous n'avons plus jamais à conquérir ou à prouver. Le Christ a vécu de la parole du Père. Sa présence est créatrice. Elle nous fait grandir dans notre humanité. Sa présence ne contraint personne, mais elle construit des relations de confiance. Chantons le Dieu trois fois saint. Et le Seigneur, le Dieu de l'univers, hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était. Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. » versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ensemble, nous disons, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, sur ce pain et sur ce vin, afin que nous ayons part à la communion, au corps et au sang du Christ. Qu'elle transforme notre vie, qu'elle nous donne la joie de ton royaume. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous pouvons te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ce pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Chantons la fragilité de notre Seigneur en invoquant l'agneau de Dieu. Seigneur Jésus, par ton esprit, viens nous apprendre à t'adorer. Tu es le pain, tu es la vie, de toi j'ai faim, par toi je prie. Seigneur Jésus, par ton esprit, viens nous apprendre à partager. Tu es le pain, tu es la vie, de toi j'ai faim, par toi je prie. Heureux, frères et sœurs, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Ensemble, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Eh bien, comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas de la Pâque, il nous invite à présent à sa table. Nous voulons former ici au Temple Neuf, un cercle dans lequel tous sont invités et dans lequel nous accueillons aussi toutes celles et ceux qui sont en communion avec nous devant l'écran ou au téléphone. Petits ou grands, jeunes ou sages, de quelle confession chrétienne que ce soit. Dans ce cercle, tous sont au premier rang. Nous avons préparé le repas, mais c'est le Christ lui-même qui nous y invite. Tout est entre ses mains. Venez, car tout est prêt. Je vous invite à former un cercle en laissant les distances sanitaires. Thank you.
ressuscité, à toi la gloire. Seigneur, nous te disons merci pour la communion dans ce repas. Nous ne pouvons vivre en présence de Dieu sans le visage qui est le tien dans ce monde. Aide-nous au jour le jour de reconnaître les traits de vulnérabilité et de pauvreté qui nous rappellent ta proximité. Amen. Je vous invite à retrouver vos places. Et nous voulons répondre à cette parole de grâce en disant ensemble la confession de foi. Elle s'affiche à l'écran pour la dire ensemble et c'est Catherine qui nous guidera. Dieu qui ouvre mon nom sur ma pauvreté d'aujourd'hui, sur ma tiédeur et sur ma peur, je découpe une parole pour te dire « je crois ». Je crois que tu es la source et l'origine de toute chose. En toi, la vie prend la couleur d'une naissance. C'est pourquoi je peux t'appeler Père. Je crois qu'en Jésus, le Fils de ta tendresse, tu donnes à chaque être son visage d'humanité. C'est pourquoi toute rencontre a sa promesse. Je crois que l'Esprit délie les cœurs et passe entre nous sur les ailes de l'amour. C'est pourquoi nos pas sont plus légers. Dieu qui ouvre mon nom sur ma tiédeur et sur ma peur, sur ma foi qui cherche ses mots, je découpe une parole pour te dire « je crois ». Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël. L'évangéliste Matthieu termine son évangile en disant que Jésus envoie ses disciples en leur disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez, partagez l'évangile. Je suis avec vous tous les jours. »
Frères et sœurs, nous avons ce matin écouté la parole de l'Évangile. Nous avons dit nos peurs dans notre prière, notre peine et notre misère. Nous avons accueilli la grâce et l'Esprit, le pardon et la réconciliation. À présent, Dieu nous envoie pour être témoins de cette grâce par la parole et par le geste. Il nous envoie dans les nations et dans les rues de Strasbourg, au lointain et chez nos prochains. Je vous invite à recevoir ainsi la bénédiction de la part de Dieu. Le Christ est ressuscité. Il est avec nous tous les jours. Que la promesse de sa présence, la certitude de sa délivrance, le souffle de son espérance soit la racine de votre foi, la vérité de votre combat, la source de toute joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons reprendre place pour le postlude. On dirait que Gilles est déjà passé aux actes. C'est vraiment remarquable. Merci beaucoup pour l'accompagnement. Merci à toutes et tous qui ont participé à ce culte selon les règles du gouvernement en co-célébrant. Merci à Marie qui nous a accompagnés dans le chant et Polo qui a conduit le live stream, la retransmission en direct. Je termine par quelques courtes annonces pour vous dire que ce soir, l'atelier Vivre en disciple résonne directement avec le sujet de notre lecture biblique ce matin, la question chez Dietrich Bonhoeffer de la grâce qui a un prix. Donc à 18h, pour une petite heure, c'est pas très long, vous êtes conviés à la réunion Zoom. Le lien se trouve sur le site internet. On peut aussi suivre en audio seulement par téléphone. Demain matin, nous accueillons ici au Temple Neuf la famille Fischer qui se réunit autour du cercueil de M. Fischer et nous voulons leur dire ainsi l'espérance de la vie nouvelle, la vie aujourd'hui. Le mercredi à 12h30, nous nous retrouverons si vous le souhaitez pour l'atelier Psaume et Yoga avec Claire-Lise Altschou et à 19h pour l'atelier Art de Croire sur les enterrements, sur la façon de faire face à la mort et au décès de proches. Et puis le vendredi, bien sûr,
c'est le temps de prière Respire à 18h qui sera retransmis également en direct par le site Facebook et YouTube. Et dimanche prochain, donc le culte à 10h30. J'espère que pour chacun, chacune de nous, ce temps de confinement reste vivable et reste animé aussi par l'espoir que nous contribuons ainsi à cet effort commun de vaincre ce virus. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous convie donc pour ceux qui souhaitent ce soir à l'atelier vivre en disciple.